Salam alaikum ya salam, sahi tout. Donc j'ai installé ma webcam un peu là-haut là. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un là-haut là. Il y a quelqu'un. Chicha à l'appareil, sous l'appareil. Sous l'appareil et. Je sais pas ce qu'on voit pas là. Bref, je reviens faire une vidéo réponse à un jeune homme qui vient de me faire une vidéo réponse. Donc je fais la vidéo réponse à une vidéo réponse, juste pour discuter un petit peu, avec grand plaisir en plus. Avec grand plaisir peut-être parce que le jeune homme que je salue au Pacha Sahid Khoya, mais c'est beaucoup pour tes mots gentils à propos de moi en fait, à propos de Hachicha. Je te salue, c'est très gentil de dire des mots gentils comme ça, c'est vrai que... Il y a des gens ils vont dire ouais tu préfères les gens qui te disent ouais qui sont d'accord etc un peu quand même comme tout être humain en fait c'est à dire quand on tombe sur des gens avec qui on s'entend bien on peut échanger on peut discuter on est un peu sur la même longueur d'onde et tout pourquoi pas hein mais c'est pas seulement parce que je m'entends avec quelqu'un ou je suis d'accord avec quelqu'un que j'ai envie de discuter hein ou là là je dis ça pour les mauvaises langues du coin. Je suis prêt à discuter avec tous les gens, même si je ne suis pas d'accord avec eux et tout. Sauf que Kima Galha Sahabna, il le dit très bien. Et c'est pour ça aussi que je voulais répondre en fait, parce qu'il rappelle quelque chose qui est important. Sur les insultes, etc., sur YouTube, il y a trop de gens qui insultent. Pardon. Et comme il dit... ça dit, c'est même pas des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Généralement, c'est quelqu'un, il crée un compte, il t'insulte, bon, bah, il revient plus sur YouTube. Il était juste de passage et tout ça. Et pour te dire, Khoya Yani, pour répondre juste à un petit truc, même si je partage mais complètement ce que tu as dit par rapport aux échanges qu'on devrait avoir, la qualité des échanges et comment on doit échanger, on doit éviter les insultes, les bagarres, les insultes personnelles, etc. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est juste que il faut savoir, Bli, ou Lalavim, je le dis sincèrement, quand tu reçois des tonnes de messages insultants, NAA, ça ne se voit pas parce que, effectivement, je ne réponds pas à tous les messages insultants que je reçois, à tous les commentaires, etc. Mais sur 20 messages, 30 messages insultants ou la commentaire insultant, Ken Wahd Fiomi va itir Hali, tu vois. Je peux pas supporter en fait un arabe qui m'a tout le monde en fait. Et c'est vrai que, en fait, je reçois une insulte, une deuxième insulte, une troisième insulte. J'en ai rien à foutre. Je continue dans ce que je fais. J'ai envie de parler d'autre chose. Je sais que YouTube ou l'Internet, c'est un moyen de communication formidable. Et il faut en profiter et le positiver. J'essaie au maximum de le positiver. Au bout de la 20e insulte, c'est bon, c'est la goutte qui fait déborder le vase en fait. Et du coup, ça me prend la tête. Des fois, ça me prend la tête. Là, maintenant, je pense que je vais essayer de résister un maximum. J'en ai rien à foutre des insultes ou là, des bagarres, etc. Je vais essayer de faire autrement. Et il y a des sujets intéressants, il y a de la communication intéressante à faire. Il y a des sujets qui concernent notre communauté, puisque c'est de ça qu'on parle. On parle de la communauté algérienne, de l'Algérie, des problèmes sociaux, où là, on parle des êtres humains que nous sommes, en fait, on aime, on a de nos histoires de personnelles, notre vie au quotidien, des fois, on veut parler de choses de la vie, des choses belles ou la moins belles, des choses qui font rire ou là, qui font pleurer, des choses comme ça. Moi, je préfère de loin l'Absa qui m'a dit. Mais je précise, Billy, c'est vrai que, surtout, Anna, je suis passé par des périodes où j'étais un petit peu faible. Il y avait quelques mois, en fait, j'étais fatigué, un peu malade, en fait, j'avais mes soucis de santé et tout. Et c'est vrai que j'étais très susceptible. Mais je suis surtout, mais c'est vrai que, achera les messages insultants, le dixième, il me fait vraiment chier, tu vois, parce que les autres, je les ai ignorés, mais l'inconscient, il reste, en fait. Je me retrouve à reprendre un message, je réponds. Je réponds et je lui dis les quatre vérités. Des fois, j'ai envie de dire des gros mots et tout. Parce que, normal, comme ça. C'est pas, je suis pas fier de ça, en fait. C'est mon côté méditerranéen où là, je fais de la légitime défense. Je ne laisse jamais quelqu'un me toucher
avec un coup que je ne vois pas venir. J'attends toujours les coups des gens. Et qui واحد ici ضربني انا نضربو قبل ما يفهم, il ne comprend même pas منين جاتو. C'est comme ça. عشت انا ثاني, عشت في Alger, عشت في الطريق, عشت في les trottoirs, quand j'étais في le bled, en Kabylie et tout, j'étais je passais la nuit dehors avec les gens, tous les voyous du coin et tout, et pourtant انا je préfère les gens bien éduqués et tout ça. مي انا نخالط كاع الناس وتعلمت لا في تاع طريق وتعلمت شكون يضرب شكون ما يضرب شكون يضربك من اللور الناس اللي تضربك من اللور اي تو سا انا تعلمتها هذه بي جو نلاس بلو بيرسون مو بوانيار دي دون دو سي فيني انا نعس لافون لاريير لي كوتي نعس كلش سي كوم سا شو با فيير دو سا باسكو كيس كون اتر فيير دو كونت اون بارل دو لا باغار اي تو سا انا جو با انفي دو مو باغاري مي كي يجي واحد يضربني انا نخبطو قبل ما يخبطني سي كوم سا جو لاس جامي واحد يضربني بالخدع هذاك انا جو بريفير لي زوم كي سو بات فاس ا فاس فاس ا فاس ما يضربكش من اللور مي كاين ناس يضربوك من اللور وهادو ما لازمش تخليهم يحشيو عليك اي دو كو فوالا جو تو ريبون يا ولد البلاد ميرسي بوكو بور تون ميساج جيسبر كو تو فا كونتينيو ا فير دي فيديو. Tu vas t'exprimer, tout ça, si ça te fait plaisir, hein, bien sûr. Il faut moi, je l'ai toujours dit, ça fait des années que je fais des trucs, et j'ai toujours dit, Bli, il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait. Donc, si le Khawa, vous prenez du plaisir à ce que vous faites, ben, allez-y, hein, avec grand plaisir. Moi, j'adore venir voir les gens qui sont comme ça, tranquilles, qui ont des choses à dire, sans prendre aux gens. Il n'est pas là pour... باش يخرج لا فيولونس تاعو اي تو سا لا فيولونس حاب تخرجها فا فير دو لا بوكس ولا دو كاراتيه هكذا تو فا ديشارجي مي واحد يجي ديشارجي في لي فيديو بور نو مونتري كي لي فيولون اي تو انا ما نستعرفش لا بلا فيولونس لا بريان دو تو اي سي تو دونك جو في ماريتي لا اون اسبيرون تو ريفوار كوزان افيك دوتر فيديو سور دوتر سوجي ولا سوجي اللي تحب انت سي توا كي شوازي بيان سور. Et moi, je suis prêt à discuter, pas de problème. Je referai des vidéos avec grand plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je reviendrai faire une autre vidéo là tout de suite, si c'est possible, parce que je viens de rencontrer un YouTuber, Yalhawa. Un YouTuber qui n'est même pas sur Paris. Il est venu sur Paris par hasard, comme ça. On s'est fixé rendez-vous, on s'est vu. C'est un plaisir. Monsieur Salicolo, si tu passes par là. Là, je pense qu'il est encore dehors. Là, il est avec ses amis, là, dehors. Mais sinon, je voulais faire une petite vidéo pour le saluer, je reviendrai en parler un peu. Je lui ai dit que j'allais l'interpeller sur des vidéos, donc je vais tenir parole, j'espère. À tout de suite, comme dirait Mnamok. Ça est tout. Et merci, Khoya, tu t'appelles le pseudo, je vais vous mettre le pseudo, je vais mettre comme vidéo réponse Gaël Sed, qui est très gentil en fait, il est sympa. Merci beaucoup pour tes mots gentils à mon propos. Et bravo pour ta lucidité, j'ai envie de dire. Ça, c'est tout.